Durant cette fin de décennie 1970, le président Aïdjo méprise tous les rouages du régime qu'il a méticuleusement mis en place pendant deux décennies. Bonjour, Jaurès, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Voilà. Qui veut réussir cette donne? Ah oui. Emma Ishi. Oui, j'ai perdu ma grand-mère. On l'enterre la semaine prochaine, samedi prochain. En Banga. On enterre ma grand-mère samedi prochain du côté de Mbanga. Donc je vais zapper les commentaires parce que quand tu fais un direct et puis tu lis les commentaires, ça te déconcentre. Voilà. Qui veut réussir, se donne un style de vie, un mode de vie. Si tu veux réussir, il faut avoir un style de vie. Avoir un style de vie. Beaucoup de nous voulons réussir, mais on ne veut pas se donner des conditions de réussite. On ne veut pas les appliquer. Parce que pour réussir, il y a des conditions, il y a des règles à suivre. Réussir, c'est une volonté personnelle. C'est un peu comme les États qui réussissent. Les gens qui se développent, c'est une décision personnelle. J'ai connu un ami, pendant que je construisais ma maison, il n'avait même pas encore un terrain. Aujourd'hui, il a 3 terrains. Parce qu'il a décidé de réussir. Il a dit, tu es mon petit frère, mais tu m'impressionnes. C'est mon grand frère de 10 ans. Il me dit, tu es mon petit frère, mais tu m'impressionnes. C'est se donner une condition de vie. Ça ne t'empêche pas de vivre la grande vie. Hein. Les gens pensent que quand tu veux réussir, ça t'empêche de vivre une grande vie. Non. C'est la gestion qui fait problème. Il y a des gens qui mangent les un tiers, les un quart de leur capital, de leur bénéfice.
Il ne touche pas le capital. Voilà. Mais tu dois avoir un style de vie, un mode de vie. C'est-à-dire quoi? Tout doit être planifié. Tu ne dois pas faire des choses parce qu'il faut faire. Je ne fais pas le direct ici parce qu'il faut faire. Je calcule mon temps. Je calcule mon temps. Tout est calculé. Rien n'est le fruit du hasard. Pour faire n'importe quoi, tout doit être calculé. Il y a des gens qui disent que non, je n'ai pas le temps pour faire le sport. Tu peux tout faire. Tout, c'est une question de temps. Il y a des gens, parfois, qui envoient le message à mon épouse. Vous savez, mon épouse, on a plusieurs amis ensemble, les amis du lycée, de l'école primaire. Et ton ami, ton mari, là, il ne travaille pas. Mais celui-là qui dit à ma femme que ton mari, là, ne travaille pas, il est comme ça, là, il ne travaille pas. Donc, on est presque de la même génération. C'est lui qui est là, il vit chez ses parents. Il vit chez ses parents. Mais c'est lui qui me demande si moi, je ne travaille pas. Moi, j'ai là presque gagné ma vie. Mais je dis vrai. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ce que j'ai. C'est toi qui n'as rien, tu dois encore chez tes parents. Tu appelles ma femme quand tu as les problèmes pour qu'elle t'aide. Mais c'est toi qui te permets d'envoyer le message à ma femme pour dire que ton mari là ne travaille pas, il ne dort pas. Je dors mieux que toi. Je travaille plus que toi. L'essentiel n'est pas de faire semblant au travail. Quand je travaille, je travaille. Je fais l'autostop depuis que je vends mes cannes à sucre là. Je suis là face au mémo. La semaine prochaine, je serai à Bonapiso. L'autre semaine, je serai à quoi? J'ai déjà tout planifié. L'autre semaine qui suit, je serai du côté de Dakar. C'est juste une question de planification. Voilà, tu ne dois pas être là. Tu dis que tu vas avancer. Et puis, c'est toi qui es amoureux de toutes les femmes que tu rencontres. Réussir, c'est un planning. C'est un mode de vie. Ce sont des conditions à respecter. Et tu dois être strict avec tes conditions. Strict avec tes conditions. Il y a les jours que tu peux donner les bières. Il y a les jours que tu ne donnes pas. Il y a comme mon enfant. Il y a les jours que normalement, lui, il fréquente non loin d'ici. Ça veut dire que lui, là, il a 600. Il y a les jours que je suis content, je donne 2000. Il y a les jours que je suis content, je donne 1000 francs. Mais il y a les jours que je remets à 600 francs. Parce que déjà, il y a son petit déjeuner à la maison. On n'avait pas ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a les gens qui veulent réussir, mais ils se rendent compte qu'ils ne décollent même pas, ils n'avancent même pas. Mon ami, la faute vient de toi. Parce qu'il y a des conditions à respecter. Il y a des conditions à respecter. À un moment, on a même le programme même pour monter sur sa femme. Ceux qui veulent réussir ont le programme de tout. Tu dois lire quelques informations, je zappe un peu là et puis tac, j'arrête. J'ai trop 30 minutes pour voir la télévision. Et rare même, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui. Aujourd'hui, avec certaines facilités, avec l'avancement de la technologie, chaque chaîne a sa page Facebook, a sa page website. Donc ça vaut le coup. Avec aujourd'hui, tu peux être informé où que tu sois. Et à n'importe quel moment. Parce qu'il y a des gens, c'est pas parce que tu es fan de telle personne que quand il est connecté, il faut que tu sois là. Non. C'est un manque à gagner pour toi. Si tu sais que tu aimes Banga Diaspora, ou bien si tu sais que tu aimes J.Remingono, whatever. Quand il est en ligne, si tu es occupé, mais va à tes occupations. Ceci. Un mode de vie que tu appliques dans ta vie, si tu veux avancer. C'est pas parce que tu dis les choses importantes. Attends, je te dis les choses importantes. C'est à toi d'appliquer. Je ne te demande pas de rester là si tu vas vaquer à tes occupations, à me suivre. Tu peux me suivre après. Tu peux me suivre après. Et à un moment de la vie, on peut d'ailleurs comprendre ce que quelqu'un va dire du début et à la fin. Tu peux revenir me suivre après. Mais il y a des gens qui sont scotchés là, que quand on dirait pendant 2 heures de temps, ils ne bougent pas, alors que tu sais bien que tu as quelque part où aller. Tu ne peux pas seulement chercher l'argent et rester là sans faire le sport. Il faut pratiquer du sport. C'est toi qui vas avancer. Mais c'est toi qui es incapable de modérer tout et de faire l'essentiel. Ça veut dire ceci. Si tu as l'habitude de boire 5 bières, réduis. Pas parce que l'argent te manque pour boire 5 bières.
Mais c'est que 5 bières te prend plus de temps. 5 bières te prend plus de temps que quand tu es en train de boire 2 bières. Imagine si tu réduis les 5 bières que tu bois à 2 bières. Combien de temps tu profites? Tu profites beaucoup. Profite beaucoup. Donc je remercie tous ceux et celles qui sont en train de m'envoyer les mots de remerciement, voilà, à l'endroit du décès de ma grand-mère. Je vous dis merci. Mais je suis au travail. Je suis au travail. J'ai accentué le travail. Pourquoi? On a besoin de ma présence dans certains endroits. C'est ça là, le programme de chaque homme. Avoir un projet, s'en donner et réussir. Tu ne peux pas avoir un projet et tu ne t'en donnes pas. Tu n'es pas là et tu veux réussir. Non. Tu peux même vouloir réussir. Mais les autres t'amènent à échouer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas là. On se donne un mode de vie si on veut réussir. C'est-à-dire chaque jour. Les gens vont dire que ah, le gars là, mais il ne fait pas le... Comment il fait? Il faut comment pour faire le sport? Non. Même toi-même, tu peux faire tout ça. Se donner un mode de vie. Une heure de temps pour faire ton sport le matin. Tu dors tôt. Tu dors tôt, une heure de temps pour faire ton sport. Quelques minutes. Tu as même le temps pour manger. Tu as le temps même pour causer avec quelqu'un. Quand le moment arrive, tu démarres ta voiture, tu es parti. C'est comme moi. Beaucoup de mes amis vont dire que ah, le gars là, je pars toujours sans dire au revoir. On peut être nombreux là. Ils connaissent tous mes amis. On peut être nombreux là. Après, je me lève. Je suis parti. Ils me connaissent là comme ça là. C'est de te donner un style de vie et amener les gens à t'aimer comme ça là. Et qu'ils adorent ou pas, tu t'en fous. Applique la règle de nos sentiments. Nos sentiments, pas de sentiments. Quand on veut réussir. Parce que si tu veux réussir et tu as le sentiment, tu ne pourras jamais réussir dans ta vie. Tu ne pourras. Il a dit que tu as le sentiment, c'est quoi? Tu as dit que tu arrives quelque part, un ami veut. Ah, je te cherche même depuis là. Mais il dit, gars, tu es au courant de telle chose? Non, vas-y. Vas-y. Cherche-toi. Vas-y. Applique-toi les règles de la réussite. Il y a les conditions de réussite. Applique-toi ça. Réduis le nombre de bières. Va faire ton sport parce qu'il faut être en santé. Parce que si on veut réussir, on doit éviter de tomber malade. C'est aussi ça un problème. C'est aussi ça un autre problème. C'est comme moi, quand je suis avec quelqu'un, j'avais les maux de tête hier, je suis venu au travail. Je commence à plier mon petit doigt. Parce que je te dis le lendemain, que est-ce que tu sais que au Japon, en Corée, on a honte de dire qu'on est malade. On a honte de dire qu'on est malade. On doit seulement découvrir que peut-être tu as à l'hôpital. Là, c'est sérieux. Tu ne peux pas avoir les légers maux de tête. Tu dis que tu ne viens pas au travail. Mais mon ami, il faut marcher. Il faut venir. La pression des maux de tête risque de te soigner. La pression du travail peut te soigner. Mais oui, parce qu'il y a des gens là qui sont malades que chaque mois. Et il veut réussir. Tu bloques ton avancement toi-même. Tu dois éviter d'être malade. Moi, là, quand tu dis que tu es malade, je m'en fous de toi. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Il faut que ça soit sérieux. On n'est pas malade, on reste à la maison. Ah oui, il n'est pas malade. même à la maison, on connaît. Hein. On connaît que c'est les mots que je n'aime pas comprendre. J'étais malade. J'avais, comme mon petit hier, je lui ai renvoyé. Je lui ai dit que vas-y. J'ai trois petits avec qui je travaille. Il y a un là hier qui n'est pas venu. Il vient avant-hier, il n'est pas venu. Il me dit que j'avais les maux de tête. Il dit, ah bon. Oh, tu as pris la vente de salaire et tu dis que tu as les maux de tête. Ah, ok. Je t'ai bien dit que moi, je n'aime pas écouter ça. Je n'aime pas écouter ça. Donc, il faut rentrer à la maison. Quand tu seras conscient. Vous avez vu, non? Je me suis blessé l'autre jour. Est-ce que je vous ai montré? Je l'ai montré. Il m'a dit que toi, l'autre jour, tu as eu une petite égratignure. Tu viens montrer comment tu t'es blessé. Bon, je les ai montré aussi ma part de blessure. J'ai dit, tu as vu ça, non? Est-ce que je te montre? Je ne t'ai pas montré. Pourquoi? Parce que si je montre que je me suis blessé, ça décourage les gens de travailler. Donc, réussir, c'est un mode de vie. Il y a des gens qui pensent que quand on a conçu sa maison, c'est bon. Hein? Je vous dis, quand j'ai conçu ma maison aussi, j'ai failli la vendre. Parce que les charges avaient augmenté
de 4 fois à 5 fois par rapport à quand je suis en location. Puisque quand là où tu loues, l'appartement où tu loues, c'est le propriétaire de l'appartement qui prend l'appartement en charge. Ça veut dire là le gardien. Tu as peut-être 2 chambres. Quand c'est maximum, c'est 3 chambres. La lumière vient au trop. Peut-être souvent 80 000, peut-être 50 000 pour ceux qui ne volent pas la lumière. Parfois, tu es dans une maison où le bailleur lui-même a tripoté tout. Si bien que parfois, on te tend seulement qu'un document comme ça, là, tu payes la lumière 30 000. Pour un gars comme moi qui a la grosse gueule, j'aime être honnête. Quand je construis ma maison, on m'a dit que, mais grand, on met le son loulou. J'ai dit, son loulou, c'est quoi? Son loulou, c'est quoi? Parce qu'il faut aussi comprendre qu'il y a des gens qui veulent vraiment réussir. Mais ils ont des petites choses, un matin, qui finit par leur coûter cher. Parce que si on veut réussir, les conditions de réussite, c'est être aussi honnête. Parce qu'on ne peut pas réussir et faire des choses qui, demain, vont nous porter préjudice. Parce que je vois des gens qui construisent la maison 100 millions, 50 millions. Mais ils construisent la maison de manière qu'ils volent la lumière dans la nuit. Mais attends, tu te moques de qui alors? Avec que tu as la mentalité d'un pauvre. Tu peux construire une maison où tu es en train de dépenser que seulement le terrain t'a coûté 20 millions. Tu as dépensé peut-être 100 millions pour construire ta maison. 200 millions, comme je vois dans certaines maisons. Mais tu vois partout, c'est la clim. La clim fonctionne partout. Et à la fin du mois, on te tend 25 000. Mais attendez, ce n'est pas la sorcellerie. Si moi, je paye moins cher chez moi, si là, c'est 80 000 par mois. Quand je dis que je n'ai rien payé. Et quand je rentre au Cameroun, comme il fait chaud là, je m'adapte d'abord. Je mets la clim constamment. Mais demain, comme tu veux réussir là, je connais des gens qui sont fauchés aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est venu leur faire un recouvrement. Ils volaient la lumière. Tu voles la lumière. C'est de la sorcellerie. Tu ne peux pas construire une maison de 200 millions et tu voles la lumière. Donc réussir, c'est se donner un mode de vie. Quand tu ne peux pas, tu réduis tes charges. Et il n'y a aucun problème sur cette terre que Dieu peut te donner et que tu ne trouves pas la solution. Il n'y a pas un problème sur cette terre que Dieu te donne et que tu ne peux pas trouver la solution. Il faut mettre ça dans ta tête comme ça là. C'est toi qui veux contourner ton problème. Et tu oublies que quand tu contournes ton problème, coûte que vaille, un jour, ça va te surprendre. Avec les taxes, avec les amendes, et tu vas payer. Donc c'est mieux de s'habituer à ces problèmes, à chercher à résoudre ces problèmes, que de les contourner. Comme le font certains. Il faut toujours boire le jus de canne. Hein. Le jus de canne, ça c'est le thé de jus de canne. C'est-à-dire que tu achètes ton jus de canne, ok? Et puis tu chauffes, tu peux mélanger avec du gingembre, c'est aussi bien. Réussir, ça va des conditions, ça va une condition de vie. Réduire la quantité de boissons, parce que pas parce que tu manques l'argent de boire, parce que ça va te gagner beaucoup de temps. Réussir, c'est gagner en temps. Il n'y a pas un monde qui veut réussir où les gens sont toujours en retard. Jamais de la vie. Voilà même ça l'essentiel de la réussite. Your time. Tu peux avoir toutes les qualités. Mais si tu es toujours en retard, tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Mais si tu veux réussir dans ta vie et que tu gagnes en temps, non, là. Et quand tu consommes, c'est qu'est-ce que tu vas venir en retard. Et tu peux même venir en retard, et tu peux même venir même tôt. Et tu n'as pas les forces. Parce que quelqu'un qui ne boit pas et quelqu'un qui boit, vous n'avez pas les mêmes énergies. Vous n'avez pas les mêmes énergies. Donc, c'est s'appliquer les modes de vie. Un mode de vie. Un style de vie. Les règles à respecter si tu veux réussir. Ah oui. Tu vas voir un gars, il est là. Cette fin du mois. Il a un problème de 300 000 francs CFA. Lui là, c'est un gars qui peut bosser 1 million par mois. Mais le fait qu'il veut résoudre son problème de 300 000 francs, à la fin du mois, il n'arrive pas à résoudre ce problème là. Pourquoi? Parce que il ne veut pas changer son ancien rythme de vie. Il dit, tu crois que si tu sacrifies un mois en abandonnant tous les bons vins là, tous les whisky, en disant à tes copines là, pardon, j'ai un problème qu'il faut que je résoudre ce mois-ci là. Pouvez-vous m'excuser? Ça ne doit pas vous excuser. Tu peux prendre des vacances à toutes ces choses-là, à toutes ces choses mondaines.
pour résoudre un problème. Pour résoudre un problème. Voilà ma grand-mère qui est morte. J'ai mis un budget. Je prends un petit exemple. La grand-mère est morte, j'ai mis un petit budget. Elle dit, il me faut tel montant. Je vous dis que on dit que peut-être si quelqu'un me vient en aide ou bien j'ai les gens là qui m'appellent. Oh, vraiment, ta grand-mère, moi, vraiment, voilà ce que je t'envoie. Merci pour tes vidéos que tu fais, vraiment. Voilà. Mais, je vous dis bien que au plus tard que lundi, je vais combler tout ça. Je vais combler le trou. Pourquoi? Parce que je me suis donné un nombre de jours pour avoir ce montant. Ça veut dire que je rentre à une certaine heure chez moi, très tôt. Je sors très tôt. Je rentre très tôt. Je zappe un peu Equinox. Ok? Et puis après ça, je mange. Après ça, j'entre dans ma baignoire. J'ouvre l'eau sur moi. Je réfléchis. Je médite. Je me lave. Je dors. Donc tu crois que si tu l'appliques un mois, deux mois, deux ans, trois ans, tu vas mourir. C'est ça qui nous tue alors. Vouloir réussir et continuer à faire les mêmes choses qui nous amènent à l'échec chaque jour. Non. Réussir, savoir les règles de vie à respecter. Donc, pour tous ceux et celles qui veulent me contacter, pour le moment, vous allez m'excuser. Hein, pour tous ceux qui veulent passer les commandes des mèches, tout et tout, nanani, nanana, vous allez m'excuser pour le moment parce que je suis concentré pour le deuil de ma grande mère. Donc, vous allez m'excuser. Alors, vous allez m'excuser pour tout cela parce qu'actuellement, je n'ai pas assez de temps. Donc, quand tu m'envoies... Quand tu m'envoies le message, parfois, je n'ai pas le temps pour répondre. Voilà. Quand tu m'envoies le message, je n'ai pas le temps pour te répondre. Donc, et les produits pour durer sur la femme, ça vient bientôt. Ça arrive là bientôt. Voilà. On va encore relancer les produits pour durer sur la femme. Voilà. Donc, sur ce, passez une bonne journée. Réussir, c'est respecter les règles de la réussite en elle-même. Voilà. Quand, si tu veux réussir, c'est comme quand tu aimes une femme et que tu dragues une femme. Tu respectes le rendez-vous, tu as les bonnes manières. C'est la même chose qu'il faut aussi faire dans ta vie. Si tu veux réussir, respecte les règles de la réussite. Séduis toi-même la réussite et tu vas réussir. Tu ne peux pas vouloir réussir et détester la réussite. Et faire des choses qui vont à l'encontre de la réussite. Tu t'épuises pour rien. C'est comme si tu es en train de construire sur le sable mouvant qui va te s'écrouler. Tu veux réussir, il faut avoir des règles. Il faut respecter les règles de la réussite elle-même. C'est clair, ce n'est pas la magie pour réussir. Les choses, depuis mon enfance, il y a des choses qui ne m'ont jamais impressionné. Parce que moi, je défrichais notre champ. 3 hectares, je l'ai défiché en 3 semaines. 3 semaines. Et c'est se réveiller tôt, se lever tôt le matin. Quoi que tu fasses, même si tu travailles que dans ta maison, sur ton laptop, sur ton ordinateur, lève-toi tôt, tu vois tout l'avance sur les autres. Il y a des gens qui disent pourquoi certains gens tout l'avance sur les autres. Il faut regarder le mode de vie de cette personne-là. Il y a la chance, il y a la bénédiction de Dieu. Oui, mais il y a le talent. Il y a les qualités, il y a les règles à respecter. Tu peux avoir la chance. Moi, j'ai le talent. C'est comme Ronaldo. Ronaldo du Portugal et Messi. Quand vous voyez Messi, Messi, c'est un chanceux. C'est un Messi. Il connaît jouer le ballon. Mais l'autre applique le talent. Et le talent, ce sont les règles. Ce sont des conditions à respecter. Ce sont des conditions. C'est le travail. Oui. Quand je jouais au ballon, mes égaux ne pouvaient pas faire face avec moi. Pourquoi? Parce que je travaillais dur. Après les entraînements, j'augmentais moi-même ma part de propre entraînement. Oui. Quand tu apprends avec tes frères, et si toi encore, tu continues encore à apprendre. Mais c'est normal que tu... Ça, c'est le talent. C'est le fruit du travail. C'est le fruit du travail, pas le fruit du hasard.
Donc voilà un peu. Il y a les génies qui comprennent facilement. Mais quelqu'un qui est talentueux, avait dit que il va bosser dur, il va prendre le dessus. C'est pourquoi vous voyez Ronaldo. Il met tout. C'est normal qu'il avance parce qu'il travaille. Hormis du ballon, il peut être mannequin, il peut. Il multiplie le talent. C'est ça en fait. Donc tout à l'heure, je suis face au Mémon. Comme d'habitude, c'est là où je vends mes cannes à sucre, mes jus de canne. Donc viens me faire la recette au lieu de critiquer. De rester en arrière là-bas, ce n'est pas à moi de construire tout le pays. Tout le Cameroun est sale. Tout le Cameroun est sale. Voilà. Ton père, ta mère, elle a vendu, ils ont vendu les tomates, le poivron à Sandaga dans la boue. Voilà. Pour ceux qui passent en Koulou, la même chose. En Koulou, c'est dans la boue. Même les habits, c'est dans la boue. Ce n'est pas à moi. Je ne suis ni élu. Je ne suis pas un élu. Je ne suis pas un élu. Donc, toi qui parles là, va en Banga là-bas, dis au maman là, viens puis vendre les ananas. Dans la boue. Je ne suis pas un élu. Voilà. Je suis un Camerounais qui me bat à mon petit niveau. Faire ce que je fais, prodiguer les conseils à mon petit niveau. Tu peux prodiguer les conseils, les gens ne réussissent pas parce que c'est dur pour eux d'appliquer. Certains réussissent. Si je les récompense, si les gens m'appellent pour me dire merci, ça veut dire qu'il y a des gens qui profitent de ça. Donc merci déjà à notre soeur qui a accouché son fils et qui m'a surnommé. Voilà. Ça veut dire que je suis en train d'abattre un grand travail. Donc voilà. Donc ce n'est pas moi qui va venir nettoyer tout le Cameroun. Non. Il n'y a pas un endroit au Cameroun qui est propre. Sauf la maison des individus. Voilà. Sauf la maison des individus. Si à côté de la présidence, il y a coupure de lumière, c'est quoi? Même à côté de la présidence, il y a les poubelles partout. Il y a les bidonvilles, les sous-quartiers. Les quartiers qui ne sont pas développés, les quartiers dans le noir. Ce n'est pas à moi que tu vas venir me dire de non, il faut changer l'environnement. Et le concept vendre les cannes à la sauvette, c'est un concept pour faire changer les mentalités. Ce n'est pas de la vantardise. C'est un concept pour passer un message, pour encourager la jeunesse au travail, à ne pas avoir honte. Work hard, no shame. Work hard, no shame. C'est comme ça. Travailler. Dû sans avoir honte. C'est ça un concept. Si je n'avais pas mis la canne à sucre sur la Mercedes, ça n'aurait pas attiré ton attention. Ça attire ton attention. Tu es curieux. Il y a des gens qui sont curieux juste parce que tu vas voir un monsieur passe, il voit la machine et les déchets au sol. Il comprend que ah, ça c'est la machine de canne à sucre. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi nous laissons les déchets devant la machine? Il y a des gens que si tu mets la machine là, 100 ans, c'est nouveau au Cameroun. Il ne saura jamais ce que c'est. Mais c'est quand il voit les déchets de canne à sucre au sol. Ah. Voilà. Et maintenant, certains s'arrêtent. Maintenant, il y a l'autre encore. Quand il voit les déchets de canne à sucre et la machine, et à côté, il voit une Mercedes avec les cannes à sucre au-dessus. Il y a certains qui viennent pour me dire à moi que ma curiosité, c'est la Mercedes. Comment quelqu'un peut mettre la canne à sucre au-dessus de la Mercedes? Ma curiosité, c'est les déchets. Donc, c'est en marketing. Il faut mettre tout de son côté. On ne peut pas vouloir réussir. On ne peut pas vouloir passer un message et ne rien mettre en application. Il y a des signes qui attirent quelqu'un. Mais la plaque là que j'ai de canne à vendre, le Camerounais ne passera jamais. J'ai travaillé pendant 2 ans au Parcours Vita pour que ça prenne. J'ai travaillé 2 ans au Parcours Vita pour que ça prenne. Quelqu'un passe à même chaque jour, il voit les déchets, il dit que mais c'est quel animal qui mange la canne comme ça là? C'est après 1 an qu'on lui dit que non, c'est le jus de canne. Oh, ah bon? Voilà. Et pour ceux qui parlent là, le jus de canne a su que c'est bien pour les diabétiques. Parce que je livre même dans les centres de santé. Des grands centres de santé. Donc si tu veux me faire la recette, viens et puis. On boit un verre ensemble, tu m'achètes les jus de canne, tu m'encourages. Voilà, mec, tu peux m'encourager. Tu me fais la recette. Ça va m'aider pour le deuil. Que de rester à distance, bavader. Voilà, moi je travaille, j'avance, c'est tout.
Il y a des gens tellement bêtes. Ouais, ça c'est du thé du jus de canne. Le thé du jus de canne. C'est-à-dire le thé du jus de canne. C'est-à-dire tu prends le jus de canne et tu mets dans la cafetière, tu chauffes. Voilà. Et tu bois. C'est bien. C'est un sucre naturel. Je bois mon tapioca avec le jus de canne. C'est bien, c'est sucré. C'est le sucre naturel. Ah oui, je bois ça à 6 heures, chaud le matin. Là, je bois à chaud mon jus de canne.